comme j'espère que votre séjour au Liban sera aussi très agréable. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Rania Sfer, je suis auteure des livres de Tommy Blum et fondatrice et directrice d'une école maternelle depuis 2002. Passionnée depuis toujours par la pédagogie et par le monde de la petite enfance, mon rêve était de fonder une école maternelle. Ce rêve s'est réalisé en 2002. J'ai toujours cru que l'école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves pour garantir leur réussite scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Ce temps de scolarité, qui est malheureusement non obligatoire dans certains pays, établit les fondamentaux éducatifs et pédagogiques sur lesquels s'appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves pour l'ensemble de leur scolarité. L'école maternelle, c'est là où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Ils s'y développent leur langage oral et commencent à découvrir les écrits, les nombres et aussi d'autres domaines d'apprentissage. Ils apprennent en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant et en mémorisant. Véritable éponge, le cerveau de l'enfant de 3 à 6 ans est capable d'une grande mémorisation. Il absorbe aussi bien les comptines que les chants. De même que les mots de vocabulaire dans toute leur diversité, à raison de plus de centaines de mots par année de maternelle. Un enjeu de taille pour bien anticiper l'appréhension de la lecture et la compréhension des textes. Loin des gribouillages irréfléchis, l'école maternelle donne un cadre à l'enfant. Elle lui apprend à se repérer dans le temps et à se positionner dans l'espace. Elle lui permet aussi de développer sa motricité fine, cette dernière étant le fondement de l'apprentissage de graphisme et donc de l'écriture plus tard. Vu le vide pédagogique sur le terrain libanais ainsi qu'à l'étranger, j'ai décidé d'aller plus loin dans mon rêve et mon objectif premier était de faire de l'école maternelle l'école de l'épanouissement, une locomotive pour toute l'école, synonyme de bonheur et d'épanouissement et non plus d'angoisse. Une école de confiance qui permettra à chaque enfant d'acquérir un vocabulaire riche pour lui donner le goût d'apprendre et de comprendre. Et ceci en créant une méthode simple, mais en même temps très riche, très attrayante et qui couvre toutes les compétences à acquérir en maternelle. Une méthode où l'enfant simplement apprend en jouant. C'est ainsi que Tom et Plume ont vu le jour. Avec l'aide précieuse de Richard, qui a mis à ma disposition en France toute son équipe pour monter ce projet, des jours et des nuits de travail pour perfectionner et façonner la méthode avec une équipe pluridisciplinaire d'orthophonistes, de psychomotriciennes, de pédagogues et d'orthopédagogues. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu à 10 montagnes. Tom et Plume sont nés pour allumer un feu qui accompagnera l'enfant pour toujours dans son cheminement éducatif. Telle a été notre motivation pour concevoir une méthode d'enseignement progressive, riche, attrayante et adaptée à l'enfant, intégrant toutes les compétences dans les différents domaines d'apprentissage à acquérir par l'enfant, tout en respectant bien naturellement son rythme. Notre mission est de garantir une méthode adaptée et destinée à un usage en collectivité, favorisant l'épanouissement personnel de l'enfant et le développement des compétences indispensables à sa réussite scolaire. La méthode de Tommy Blum ne se réduit pas sur un travail sur fiche. C'est l'aboutissement d'une méthode où la préparation préalable avec des ateliers, avec des activités qui sont indispensables pour la réussite de l'enfant. Tommy Blum a été créé et pensé selon le programme français. En 2015, suite à la réforme faite par le ministère de l'Éducation française, toute la méthode a été retravaillée pour qu'elle soit conforme au nouveau programme. Ce programme organise les enseignements en 5 domaines d'apprentissage. Le premier domaine, c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, construire les premiers outils pour structurer sa pensée, explorer le monde. Chacun de ces 5 domaines est essentiel au développement de l'enfant
et doit trouver sa place dans l'organisation du temps quotidien. Tous ces domaines-là vont être élaborés tout à l'heure avec Myriam pour que chacune soit très claire pour tout le monde. Je vais laisser la parole à Myriam, qui est ma fille aussi, pour vous faire une présentation générale de la méthode en un premier temps. Et après la pause, on continuera pour aller plus loin dans les détails au niveau du programme. Merci. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée et à tout à l'heure. Pourquoi faire, Maria répond, pourquoi faire? Pour
petit déjeuner, je mets mon tablier ou mon scapulaire et je tiens mon sac et je vais à l'école. Merci. Bienvenue. Tu vas faire tout le monde. Alors, voici Bigo. Bigo va vous montrer les parties de son corps. Vous pouvez le voir. Oui, allez-y. Tout d'abord, c'est quoi? Dis, Bigo. C'est là. Oui, alors montre-nous les parties de ton corps. Voici la tête. Après, tout le monde, je n'entends pas. Les yeux, les sourcils, le front, le... Regardez, on a deux yeux, un nez et deux narines. On a deux oreilles. Une bouche. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je tire la langue. Et tu as des belles dents. Et après, c'est le... Oui, et voici le cou. On a deux épaules. Une, deux. Après, chaque enfant va choisir une étiquette. Oui. Si l'action se fait avec les mains, tu vas bouger tes mains et mettre l'étiquette dans le cerceau où il y a la main. Si l'action se fait avec les pieds, tu vas sauter, on va t'aider à sauter. Et tu vas la mettre dans le cerceau où se trouve la main. Oui? Allez. Que fait Plume? Elle danse. Alors, qu'est-ce que je fais quand elle fait l'action avec les pieds? Je... Ok, aidez-la. Aidez-y. Bravo, Yana. Merci. Asseyez-vous. Et où tu vas la mettre? Excellent. Allez-y. Georges, viens. Choisis une étiquette. Wow, que fait Plume? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pousse? Le chariot. Comment elle pousse le chariot? Qu'est-ce qu'elle utilise? Les mains. Quand on utilise les mains, qu'est-ce qu'on fait? On saute ou on fait les mains en l'air? Allez-y tout le monde, les mains en l'air. Allez chère, on t'attend. Bravo. Et tout, où tu vas la mettre? Dans le cerceau, bravo, où se trouve la main. Merci. Tiens. Santé. Et on a fait un autre atelier avec les mains. Que fait Plume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle a utilisé quoi pour courir? Cours, bon Plume, cours. Cours. Bravo Sophie, bravo. Cours. Allez, vas-y. Cours. Oui, cours. Alors Plume, cours. Essaye, tu veux? Allez Rami, tu as envie, vas-y. Okay. Vas-y. Viens Sophie, c'est un bon terminé. Alors, non Plume, cours. C'est-à-dire, elle a utilisé ses mains ou bien ses pieds? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sauter avant, sauter. Allez-y, aidez-la. Bravo, merci. Alors, pas la main. Dans le cerceau où il y a le pied. Émile. Bien, Émile. Merci, Sophia. Excellent. Bravo, applaudissez. Allez-y, Sophie. Bravo, Sophie. Wow. Allez-y, regardez. Timmy, tiens-toi bien. Thank you.
chérie. Elle va compter ses anges. Hein. Très bien, Maria. Très bien, Maria. On va faire encore une fois. Fermez vos yeux. Ah, donnez-moi vos anges. Bien, voilà. Bravo. Très bien, très bien.